dettes déjà payées et nouvelles dettes. Christ effectivement efface dettes qui t'a pesé sous nous et que nous pas capable payer. Dette ça, l'était exigé du sang versé. Mais sans pas nous qui souillé pas capable faire rien pour ça. Dette ça t'a exigé la mort. Mais notre mort n'aurait eu aucun effet positif parce que nous étions déjà morts spirituellement. Et donc, pas de gain aucune façon que nous t'a capable rembourser dette ça. Pas de gain aucun substitut pour ta payer dette ça dans place nous. Et c'est ça que fait bon Dieu vini lui-même. Il vini et il paye dette là. La Bible dit nous que il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Mais pour ce faire, il a dû mourir à notre place. À cause de cela, nous avons une nouvelle dette envers lui. Bon Dieu vini, il paye dette péché, il baille la ville pour nous-mêmes, nous pas doués encore, mais nous avons une nouvelle dette envers bon Dieu. À cause de tout ça, il fait pour nous. Si nous pas capables de payer ainsi dette-là, bon Dieu voulait que nous payions nouvelle dette là. Et question fondamentale là, c'est comment et avec qui ça. Nous pour payer nouvelle dette ça que nous gagnons. 2 Corinthiens 5 verset 15, bah nous y ont élément de réponse. Il dit nous que l'amour de Christ nous presse et nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. Afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. L'amour de Christ nous presse, en sorte que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. La façon de payer cette dette, premièrement, il y a à mourir et laisser vivre. Mourir et laisser vivre. C'est le premier point en après. Mourir et laisser vivre. Et deuxièmement, c'est être un ambassadeur pour Christ. Mourir et laisser vivre. La mort pour Christ que nous exprimer dans les... La mort pour Christ, c'est ça que nous exprimer dans les eaux du baptême. Lorsque nous plongeons dans l'eau, lorsque nous baptisons, la Bible dit nous, nous avons été ensevelis avec lui dans les eaux du baptême. Mais question fondamentale là, est-ce que nous mourons vraiment à nous-mêmes? Symboliquement, lorsque nous plongeons dans les eaux du baptême, nous mourons avec Christ. Mais est-ce que nous mourons tout bon? Mais nous connaissons que nous mourons tout bon si et seulement si c'est Christ qui vit dans nous. Nous connaissons nous mourons si Christ a vit dans nous. Et c'est ainsi que nous connaissons que Christ a vit dans nous. Si priorité nous yo changé, si priorité nous yo été même bagaille avant et après nous rencontrer Christ, nous pas mourir vraiment. C'est pas lui qui vit dans nous. C'est toujours même ancienne vie en nous gagner. Nous connaît que Christ a vit dans nous, c'est lorsque centre d'affection nous évolue. C'est lorsque nous connaît nous pas affectionner nous à même bagaille, nous te qu'on affectionner nous longtemps. Maintenant qu'on n'a pas perfectionné nos choses d'en haut, et le ça nous connaît que effectivement nous mourir et que c'est Christ qui vit dans nous. Nous connaît que c'est Christ qui vit dans nous lorsque lui occupe première place dans la vie nous. Lorsque c'est lui-même qui est aux commandes là. Lorsque c'est lui-même qui partie pour notre sinon preneur de décision dans la vie nous. Et nous connaît que c'est Christ qui vit dans nous lorsque nous avons volonté pour ne pas demeurer dans le péché. Lorsque nous avons volonté pour ne pas demeurer, pour ne pas pratiquer le péché, là, ça nous connaît que c'est Christ qui vit dans nous. Nous connaît que Christ qui vit dans nous, c'est lorsque nous vivions vie côté nous remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit, il dit qui ça? Le Saint-Esprit de Dieu, son personne nié. Donc, on monde pas capable gain plus Saint-Esprit qu'on l'autre parce que on monde pas capable gain plus qu'on personne dans la ville. On vit rempli du Saint-Esprit, il dit que si on vit côté le Saint-Esprit de Dieu aux commandes. C'est-à-dire que
ou rempli du Saint-Esprit, c'est lorsque vous quittez le Saint-Esprit de Dieu, agit dans la vie ou plus que vous-même ou agit. C'est le ça, ça le dit que vous rempli du Saint-Esprit. Mais ça va le dire vous avez plus Saint-Esprit qu'on y a venu moins. C'est une mauvaise interprétation parce que le Saint-Esprit de Dieu est une personne. Maintenant, nous connaissons que Christ a vivé dans nous, c'est lorsque nous aimons les frères. Parce que si nous n'avons pas l'amour dans le cœur, comment nous capables de dire que Christ a vivé dans nous? Si nous pas gagne l'amour youn pour l'autre, si nous pas porter fardeau youn l'autre, comment nous capable montrer que Christ a vivre dans nous? Or la Bible dit Jésus-Christ dit que y a connait que nous de Dieu, y a connait que c'est bon Dieu qui relait nous, c'est lorsque nous gagne l'amour dans cœur nous youn pour l'autre. Et donc l'amour vient tourner un indicateur par excellence pour montrer est-ce que nous gagne une relation avec Dieu ou pas. Non seulement n'a payé d'être ça lorsque nous mourir et quitter Christ vive dans nous et deuxièmement lorsque nous remplis fonction dans le monde en tant qu'ambassadeur pour Christ. Mais qui ça un ambassadeur? Un ambassadeur c'est d'abord et avant tout un représentant d'une nation auprès d'un autre état. C'est représentant de un état auprès d'un autre état. C'est-à-dire que c'est un monde qui est en mission. Li pa la kaeli. Et puisque le pa la kaeli, yo capable rappeler à n'importe quel moment. Voilà un ambassadeur. Et c'est même bagaille là pour nous. Nous représenter bon Dieu dans ce monde. Nous sommes en mission, nous ne sommes pas chez nous. Et Dieu peut nous rappeler à lui, chez lui à n'importe quel moment. Et mission nous sont mission de paix. Mission nous c'est réconcilier les hommes avec Dieu. C'est mission ça que nous gagnons. C'est mission ça que bon Dieu bannon pour nous réconcilier mon avec lui. Et mission ça a gagné 4 étapes là-dedans. Premièrement, nous besoin réconcilier mon avec bon Dieu. Deuxièmement, nous besoin réconcilier mon avec tête yo. Parce que gagne monde qui ont mauvaise image de eux-mêmes, yo pas connaît que yo créé à l'image de Dieu, yo pas connaît que yo sont créatures si merveilleuses. Vous pensez que c'est n'importe qui, et mais nous besoin réconcilier monde ça avec tête pour une meilleure image de eux-mêmes. Troisièmement, nous besoin réconcilier monde avec monde. Parce qu'il y a trop de division, nous avons une mission de paix. Mission nous c'est réconcilier monde avec monde. Mission nous c'est faire en sorte que monde vive bien l'un avec l'autre. Et quatrièmement, nous besoin réconcilier monde avec environnement. C'est-à-dire que pour monde prend soin environnement, pour monde prend soin quartier la caillou, pour monde prend soin communauté, pour monde prend soin ça bon Dieu ba yo, voilà notre ministère de la réconciliation. Réconcilier monde avec bon Dieu, réconcilier monde avec tête yo, réconcilier monde avec monde, réconcilier monde avec environnement yo. Et on l'autre bagaille dans ambassadeur c'est que la communiquer constamment avec son pays afin de les former de sur sa mission. Constamment la communiquer avec pays que vous là pour qu'il informe sur évolution mission et ça c'est fonction la prière constamment nous en contact avec bon Dieu pour n'a petit travail libanon mais comment nier la donne mais comment n'a pas avancé et c'est ça dimension la prière ça nous besoin c'est pas seulement on la prière côté n'a demandé mais son la prière côté n'a informé bon Dieu sous mission que le banon parce que si nous en mission bon rapport supposé bail. Et rapport ça, le capable bon rapport journalier, quotidiennement, on a informé le état mission, de état d'avancement, de progrès que on a réalisé, de bavure, de tout ça que on a subi dans mission, pour le capable voyer provision pour nous. Ensuite, ambassadeur, il jouit de privilèges spéciaux, même genre nous-mêmes, nous avons protection spéciale de la part de Christ. Parce que même lorsque nous avons dormi, il a protégé nous. Parce qu'il dit celui qui veille sur nous ne sommeille ni ne dort. Donc nous avons une protection spéciale. Et aussi nous avons un ambassadeur, son monde qui fait preuve de prudence dans ses rapports avec les autres, avec les nationaux. Il fait preuve de prudence dans ses rapports. Et c'est même prudence ça, bon Dieu m'a dit nous. Lorsque nous avons entretenu des relations dans le monde, nous faisons ça avec prudence parce que nous ne sommes pas de ce monde. Et Jésus t'est toujours aimé dire mon royaume n'est pas de ce monde et royaume pas nous pas dans monde ça nous sommes tous des ambassadeurs. Et on l'autre bagage encore il ne perd pas de vue sa mission. Et en bon temps et en mauvais temps, il focus sur mission.
Mais nous connaît que même après que nous fin fait toute bagaille ça dette là rester là toujours et dette ça son dette qui prend l'absous son dette son dette qu'a finalement payé uniquement lorsque nous arrivons dans présence Seigneur lorsque le pral dit nous viens bon et fidèle serviteur rentre dans la joie de ton maître et c'est ça que la Bible demande nous pour nous pas décourager nous parce que gien on le cap vini et le ça nous pral pleinement récompenser les sa dette nous gien pral pleinement payer et dette ça comment on a payé lorsque nous mouri et nous quitter crise vive dans nous et lorsque nous rempli fonction en tant qu'ambassadeur pour Christ parce que c'est ça la Bible dit parce que la Bible explique nous que l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Parce qu'il y a un pile indicateur que nous avons besoin de sonder cœur nous pour nous voir est-ce que effectivement c'est nous qui vivons ou bien est-ce que c'est lui qui vivent dans nous. Chaque matin, chaque jour dans la vie, nous, peut-être nous avons besoin de faire un bilan dans la vie nous, chaque après-midi. Pour nous, qui est-ce qui t'a vivre journée ça? Est-ce que c'est nous qui t'a vivre ou bien est-ce que c'est lui qui t'a vivre? Si c'est lui qui t'a vivre, qui résulte la journée? Et si c'est nous qui t'a vivre, qui résulte la journée? Et comment nous t'es rempli fonction nous en tant qu'ambassadeur pour Christ dans ce bas monde? Mais comment Christ a attend à ce que nous répondons par rapport à tout ça que le consenti pour nous-mêmes? Au nom de Jésus. Amen.